n'est pas mal étendu. Tout prince, tout princesse, captain de nous, sur YouTube et sur Zoom. Nous avons un sujet spécial pour aujourd'hui. Le livre de Jonas. Pour qui ça, sujet ça spécial? C'est parce que nous pouvons parler de un prophète. Mais qui est-ce qu'on prophète? On va parler du prophète Jonas. Mais qui est-ce qu'on prophète? Un prophète, c'est un intermédiaire entre Abaya avec le peuple. Le Abaya a besoin de parler avec le peuple, utiliser un prophète. C'est comme ça que nous sommes dans la Bible. Les Saintes Écritures, il y a 133 prophètes, plus de 133 prophètes. Les prophètes, nous, puisqu'on est ces prophètes que, qui, yo, y a un livre, yo écrit un livre dans les Saintes Écritures. Même genre avec un premier prophète que nous t'ai gagné, c'était Abraham. Mais pas un livre que, qui écrit sur spécialement sur Abraham. Et ça fait que les a parlé de prophètes, nous toujours à penser à, avec Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Des fois nous même négliger Samuel. Et les a ça c'est grand prophète. Il n'a pas eu de petits prophètes qui s'annouaient. Nous Osée, nous Joël, nous Amos, nous Abzias, nous Jonas, nous Miché, nous Nahum, nous Habakkuk, nous Sophonie, nous Agé, nous Zacharie, et puis nous Malachi. Nous 12 là-dedans. Mais ça qui fait gros prophète avec petits prophètes, c'est pas puissance de Abaya, non? C'est combien versets dans la Bible qui écrit, qui parlait de ça que y a du noir. Tant que au gain Abdias qui seulement c'est un seul chapitre que lire. Mais je dis à nous pas parler de Jonas. Qui est important Jonas pour nous connait là. Étude que n'a fait qui sommes-nous? Qui est-ce que nous y est? Li pour li entrer dans n'a suivre peuple Israël là. Nan suivre nan suivre peuple Israël là les que nous rivé dans 2 rois 17 côté que Abaya rejeté peuple là mais c'est pas tout parce que pas oublier que après le roi Salomon peut pas te diviser royaume du nord royaume du sud ce royaume du nord là qui était distribué qui ça a été fait il a adoré idole Abaya voyé prophète par là veille il pas veut attendre. Après, Abaya dit comme ça que, ok, restez quoi de ma figure, vous allez permettre que Assyrie vini dominer le peuple là. Mais dès que le peuple là a dominé le peuple là, il est obligé pour payer un impôt, qu'on a peuple là a fait
ça que pas de faire ou à quitter là en présence là qui pas de payer impôt qu'on y a là Samanaza dit comme ça que OK pendant tout bail ça va il prend tout monde qui vend un garçon tout monde qui travaille il met en esclavage en Assyrie et puis qui veut être plus gros ville la capitale là c'est Ninive et Ninive c'est une ville que on voit construit même pour le capital là. Ninive son ville qui est merveilleuse. Une grande ville commerciale. Tout le monde besoin de son bagage, c'est à Ninive voilé. C'est la grande ville. Mais ça, Ninive t'a gagné. Ninive t'a adoré en idole. Quelle est Ishtar? C'est Dieu yo yo remet ça c'est le populaire pour ça et puis ça que Ninive te gagne encore on paquet de crime on paquet de sacrifice y a sacrifié moun bataille vol kidnapping c'est Ninive afin de observer bah là c'est ça qu'il te dit maintenant que gon côté que li rive que Abaya abvoye prophète par là à parler pour ouais si Ninive si que Ninive doit changer mais c'est pas Ninive qui était intéressé à Abaya plus non c'est petite li qui la kay Ninive c'est le royaume du nord qui la kay Ninive qui en Ninive qu'on y a les abaya voyer pour faire dernier prophète abaya voyer c'est Nahum dit comme ça que si on pas changé il a péri mais abaya pas jambay on le c'est avec Jonas abaya dit comme ça que passé si on pas commencer parler là dans 40 jours si on pas ranger corps nous m'a détruire Ninive et les détruire Ninive va tout détruire peuple Israël. C'est la première fois que Abaya dit comme ça que l'a détruit peuple là et il baillon temps pour détruire peuple là parce que Abaya dit le pape j'aime détruire peuple. C'est ça que nous t'entendons dans Moïse Abaya dit Moïse ouais peuple ça son peuple tête Dieu que lié pas capable de parler avec on va pas recommencer. Moïse dit non pas capable de recommencer. Jonas même qui connaît que Abaya pas détruit peuple là oui. Jonas pensait que c'est une information qui pourrait faire paraître quand un faux prophète parce que il pas fait vrai. Jonas allait prendre bateau pour aller de l'autre côté. Et puis Jonas tout est peur vie qui était gain à Ninive là. Ce qui veut dire que histoire ça son histoire qui est extraordinaire pour peuple Israël. C'est pas une histoire pourtant de quand c'est un petit petit ou à dire comme ça que t'es comme Jonas et puis le poisson va aller et puis il vient entrer. Non, c'est nous. Cette histoire là concerne nous-mêmes qui la jodia. Parce que là que nous finis avec Ninive la continuer histoire là parce que pas oublier c'est Jonas qui baou on qui dit ça qui a passé dans Ninive et puis après nous avons un livre qui était fait que les Tobie t'était à vivre à Ninive on nous porter en pile précaution on nous tendez bien qui gens que n'a fait livre ça nous pour aller entrer faire commentaire dans livre ça verset par verset pour comprendre bien parce que c'est un livre qui réellement intéressé peuple Israël là c'est pas seulement une histoire que lit c'est un livre que l'on entre là-dedans ou après que Abaya li bon yon temps li bon temps ou gen droit paraître ou gen droit pécher ou gen doit pas obéir avec parole li. Mais l'a toujours voyé prophète ou vinn parler avec ou vinn changer ou une fois comprendre Jean Courier pas continuer comme ça on entendit
Elder Emmanuel, qui pourra le présenter, non? Le livre de Jonas. On va commencer dans le chapitre 1. Merci, et prophète Moshe, pour cette grande introduction sur l'étude que nous pourrons faire ensemble dans le livre Jonas. Là. Côté que nous avons plus de bagages pour que nous soyons capables d'apprendre de l'histoire, non? De comment que Abaya, eh bien, par le passé, t'es fait tout ça que l'est capable, pour que l'est capable, pour que nous capables de sortir de la situation qu'on est. Et comment que t'es servi avec serviteur Jonas, eh bien, pour être capable d'atteindre grands-parents, eh bien, qui t'es habité à Ninive. Donc, on a pris d'abord Jonas, chapitre 1er, qui dit non. Un jour, Abba a parlé à Jonas, petit garçon à Mitaïa. Abba a dit comme ça. Jonas, levez-nous. Allez, la ville Ninive, gros capital là. Elle fait moun là qu'on est méchanceté arrivé, joue dans j'aurais moi. Donc, c'est que, comme vous comme je dis d'ailleurs, c'est que Ninive c'est un côté tête chargée. Ce côté méchanceté fermée là, problème, difficulté, insécurité. Donc, moun pas qu'à sortir. Li fait noir, go la journée. Nan mitan flam soleil. Mon barre devant mon barre tellement situation est grave à Ninive. Et même si ça a arrivé en Égypte, lorsque Abba a dit à Moïse, crie, mon peuple Israël, qui a vécu en Égypte, arrivé jusqu'à moi-même et m'a voyé devant Pharaon pour que vous capable aller délivrer le peuple et pour aller bailler un service d'action de grâce à moi-même. Et bien, c'est exactement la même situation qui est arrivée à Ninive, côté que cri peuple Abaya qui à Ninive. T'es arrivé dans oreilles à Abaya parce que bagaille était extrêmement grave. C'est un coup, il y a parlé autrefois dans ces deux côtés, dans les États-Unis, il y a parlé du Bronx, de cela, donc il y a dit que si bien qu'il y a le gouvernement a peut-être fait mal, tellement t'es un problème à un certain moment. Il va se croiser, non. Mais laisse ça. Jonas levé. Il est parti dans la direction de Tarsis parce qu'il a couru pour Abaya. Il descend la ville Jopé. Il est là. Il joint un bâtiment qui t'a paré pour partir pour Tarsis. Il paye passage. Il monte à un bâtiment avec Marin. Il est parti pour Tarsis parce qu'il a couru pour Abaya. Jonas fait exactement ça que a pris dans notre état qu'il a faire. Nous habitons Port-au-Prince et puis le gouvernement a décidé pour que le livre de Noël fasse travail pour lui au Cap ou bien au Alamed. Et puis qui ça nous fait pour tout un peu vivre dans son gouvernement, yo. Puis ça nous fait, nous prenons un bus qui peut aller Jérémie. Oh, Jérémie, Wanamet, c'est deux pour l'opposé. Eh bien, c'est ça qui s'est passé, Jonas. Jonas, Abaya, Mandel pour y aller à Ninive, qui n'a en direction. Et puis, Michel, il venait pour avoir vraiment. Mais,
li aller dans l'autre direction. Li prend bâtiment qui pour aller dans l'autre direction. Li prend bâtiment qui pour aller à Tarsis. Pour qui ça fait ça? C'est parce que monsieur t'a couru pour job ça qui a batté barrière. Job ça, monsieur t'a estimé qu'il était trop du bruit. Non seulement monsieur prend en l'autre direction, mais là monsieur arrivé à Jopé, à mi-chemin. Monsieur campé Jopé, et puis monsieur prend l'autre bâtiment encore, qui paraît pour Tarsis, qui t'a paré pour Tarsis, et puis monsieur met Koldo, ça veut dire que. Monsieur, côté monsieur, monté bas comme ce jita, monsieur, dit bon, dit bon. Ce jita beaucoup de marin, yo. A bay blague, a brillant dans l'île, et puis, parce yes. que. Il finit bon. Il finit bon parce que monsieur dit que, bon, monsieur, a bay avoué, ni niv, monsieur, déjà un propre bâtiment pour Jopé. Je descends là, de là, et je pour l'autre encore pour t'assister. Et puis, je sens que il est correct. Et puis, bon, comme personne n'a qu'à tromper Abaya, parce que Abaya est tout puissant, il est omniprésent, donc il connaît tout ce qu'a fait, il connaît le présent, le passé et l'avenir, Abaya garde Jonas. Parce que pour Abaya, Jonas, c'est grimace ce qu'il fait. Si qu'on est Jonas, pas qu'on est qui est-ce qui Abaya, je ne sais pas. Et Abaya, ça le fait. Il parle de Jonas, hein, il quitte Jonas, se fait faire très bien. Juste Jonas prend décision pour lui faire un contraire. Et puis, ça Abaya fait, verset 4. Mais si Abaya, voyez un gros vent sur la mer, un seul gros vent, tempête levée, bâtiment t'es prêt pour rouler. Donc, Abba dit, ok, puisque monsieur dit que c'est un indien, c'est que ma prédelle. Abba a qui lui-même contrôlé tout ce qui a passé dans le ciel ou sous la terre. Eh bien, Abba a vu un gros vent sous la mer et vent tempête. Levé et puis bâtiment même a navigué sous la mer en désespoir. Bâtiment prêt pour couler. Donc, Jonas tape couille pour la pluie. Et puis là, il est tombé dans la grande rivière. Parce que monsieur était oublié si c'est avec Abaya que l'on a fait. Et il est trop petit pour qu'on ne trompe pas Abaya. Et la situation était tellement difficile. C'est que tout le monde qui est dans le bateau, tu vois la mort face à eux. Il veut se séclencher, ok? Marin, tu es prêt en pile. Avec raison. Tu es prêt. Chaque monde qui a la prière, bon Dieu, pas eux. Ce qui passe, c'est que, même si le bateau a 15 personnes là-dedans, mais chaque monde a un bon Dieu par. Eh, vous connaissez, m'a dit nous ça. Et c'est très difficile aujourd'hui pour que le monde comprenne et accepte que chaque nation a un bon Dieu par eux. Et ça mettait en face plus. On n'a pas dit oui, mais. Et. Ah ben, vous êtes sauvés. Vous voyez, vous machine avec vous sauver Israël. Vous dites non, il veut sauver le monde entier. Il dit non. Le monde entier n'est pas comme Dieu le dit d'Abraham, Isaac et Jacob. Abba n'a pas de rapport avec eux, pas de rapport avec Abba. Non, bon seul, bon Dieu. Vous dites que c'est là. C'est ça qu'ils ont enseigné, non? C'est ça qu'ils ont fait nous connaître. Dans l'école, quoi, l'école de l'école? Parce que nous tous qui levés en Haïti, l'école, c'est deux types d'école que vous avez. C'est ou bien l'école catholique ou bien l'école protestante. Qu'il s'agit de catholique ou bien de protestant, eh bien, vous tout enseigné nous, soit dans la Bible ou bien dans le catéchisme, que y a un seul Dieu en trois personnes.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On seul Dieu en trois personnes, ça, c'est Dieu ça qui Dieu tout le monde. C'est lui-même qui Dieu catholique, c'est lui-même qui Dieu protestant. Et quand on dit protestant, moi mettez tout ça qui n'est pas catholique, que c'est baptiste, méthodiste, témoin de Jéhovah, adventiste, etc. Eh bien, c'est ça que tout le monde enseigne. Et depuis nous tout petit, donc c'est ça que nous apprenons. De telle sorte que il n'y a pas jamais apprendre nous que chaque nation a un Dieu par eux et une nation qui a plusieurs dieux. Et dans la même nation, citoyens, il y a chaque famille capable de Dieu par eux. Et juste aujourd'hui encore, si vous parlez avec eux, il faut comprendre que c'est le seul bon Dieu qui a pour tout le monde. C'est la fraude qui vous sauve. Or, la parole de Dieu lit, enseignez-nous, et c'est pas, et c'est dans plusieurs, quel que soit auteur biblique que vous consultez, que c'est dans l'Ancien, dans l'Ancien Testament, que c'est dans le Nouveau Testament, que c'est dans les livres apocryphes, eh bien, de à plusieurs manières et différentes fois, on va voir que ils ont montré nous que eh bien chaque peuple yo yo gagne abaya ba yo et abaya Israël là c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et abaya l'autre peuple yo yo gagne différent l'autre nom gagne c'est Astarté, gagne c'est Baal, gagne c'est Moloch, gagne toute qualité. Donc pas un seul bon Dieu ici-bas. Pas un seul bon Dieu. Il y a plusieurs bon Dieu. Dans le ciel, il y a un seul bon Dieu. Mais ici-bas, il y a plusieurs bon Dieu. Et c'est ça qui fait que Abaya est fâché avec Israël. C'est parce que Israël a servi Dieu de notre nation. Que Abaya, dès le départ, te dit non, non. Abaya te mette en garde contre ça. Mais là, elle fait ça quand même. Donc, il faut que nous toujours rappelons, nous, pour nous songer que l'autre nation, il y a un bon Dieu par eux, et il y a une nation qui a plusieurs dieux, et dans la même nation, eh bien, au cas où chaque ville, tant que ça fait en Haïti, chaque ville en Haïti a un bon Dieu par eux. Il y a un bon Dieu général qui c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours. Qui c'est le Dieu d'Haïti, qui c'est patron d'Haïti, notre Dieu de Dieu le secours. Mais si vous avez Saint-Louis du Nord, vous avez Saint-Louis, c'est patron Saint-Louis du Nord, ou pour le port de paix qui a 12 kilomètres de Saint-Louis du Nord, vous avez un immaculé, qui c'est bon Dieu, mon port de paix. Et si vous allez en s'affolant encore à quelques kilomètres de Saint-Louis du Nord, vous avez un petit Saint-Anne, ou encore Saint-Anne, c'est Dieu, mon en s'affolant. Pour traverser au boy qui c'est en l'autre ville qui tout près avec un safolet, pour avoir un Dieu par eux, pour traverser l'imbé qui pas trop loin avec Pomago, avec au boy, pour avoir un Pomago qui a un bon Dieu par lui, pour avoir un l'imbé qui a un bon Dieu par lui, et pour avoir un Cap-Haïtien qui a un Dieu par lui, qui c'est Notre-Dame, comment Notre-Dame, il va aller quand même d'Assomption, qui a fait le 15 août. Donc, c'est comme ça que ça y est. Donc, c'est pas différent. Donc, de ce qui a passé, et spécialement, dans le bâtiment, Jonas Théa, c'est que chaque monde a la prière, bon Dieu par eux. C'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a la prière, mais il a la prière Dieu par eux en fonction de communauté. Côté que vous-même vous êtes sorti. Et pour vous êtes soulagé le bâtiment, vous avez le dernier chien dans la mer. Jonas même, peut-être pas, te descend dans la cale bâtiment, li couché, dormi pour te l'aller. Donc Jonas, l'aime se l'obéit pété, bâtiment a un problème, eh bien, monsieur Chapé pour lui, il part descendre le bâtiment, c'est dans la mer pour te aller.
Eh bien, pour le bagage qui fait, c'est que vous jetez le lest. Jetez le lest, ça veut dire que c'est les bâtiments chargés. Il y a difficulté, tout chaille qui estime qu'il trouve le bâtiment, vous jetez à terre, vous jetez dans la mer. Donc, et Jonas même, pour être pâle, je suis rentré dans quel bâtiment, il a couché et dormi à la veille. Verset 6. Capitaine bâtiment, Alvon Jonas, dit Jonas comme ça. Hey, si pape, a passé dormi ou a dormi, lève-nous, mon cher. La prière bon Dieu là, ou pas jamais connaît, li ka gen pitié pour nous, li ka pa kite nous mouri. Donc, il faut femme ta garde version française, pour moi qui ça dit parce que na pour faire moi chercher même verset 6 là pour nous na le second pour nous être ça qu'il dit puisque auteur a dit que version que l'a dit que à part se dormir ou dormir. Lève-nous, mon cher, là, prière bon Dieu, là, parce que nous avons besoin de qui bon Dieu, que, eh bien, capitaine bâtiment, eh bien, il t'a demandé, Jonas, donc, pour que lui, prier, parce que moi, son petit dé, nous avons besoin de la version française, là. Est-ce que c'était un grand dé, ou bien est-ce que c'était un petit dé, que, capitaine, là, c'est demandé, eh bien, Jonas, pour que lui-même, eh bien, il était la prière. Donc, c'est très important pour nous, l'ENAP fait étudio, pour nous garder plusieurs versions, pour nous voir exactement comment que Kosea lié, pour que nous assurions de qui ça que l'ENAP dit exactement, pour que nous pas dit bagaille qui pas trop en harmonie avec la parole de ce Jonas. C'est Jonas, chapitre 1er, le verset 6. Un moment. D'accord. Jonas 1er, verset 6, dans la version le second, il dit comme ça. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, grandé. Dans verset que là, il dit, la prière, bon Dieu, là, petit B, c'est comme quoi Jonas, bon Dieu, Jonas, là, c'est un coup, bon Dieu, qui fait avec roche, qui fait avec bois, selon verset que là. C'est-à-dire que version française, il dit, invoque ton Dieu, grandé, Abaya, Abraham, Isaac et de Jacob. C'est peut-être l'important pour que nous capables de checker l'autre version, qui est moi checker version anglaise, pour moi, ouais, qui sa version anglaise lui-même, il dit, est-ce que c'est même bagaille li bon nous avec version française ou bien version créole là en ce qui a trait à Dieu que marin yo ou bien capitaine bâtiment te mandé Jonas pour que lui-même était ça m'a mal tombé là sous anglais c'est pas anglais mais besoin. On va tomber sous. Bon, on que pas demandé. Est-ce que les gens qui ont un bib anglais et avec les pour garder mon qui me garde la version espagnole là moi. Biblia. Ok. Regardez la version. C'est Jonas. Ok, Jonas,
chapitre 1, verset 6, il dit comme ça. Il levantate, il clama à tout Dios. Il levé et mandé bon Dieu là. Tout Dios grandé. Ok? Donc, probablement, anglais à tout, c'est grandé tout. Probablement. Donc, et bon problème dans la version Kola, comme Kababo, il faut que nous très très prudents. Donc, avec lui, en plus fort, il n'a plus pour nous capables de chercher, connaître et comprendre de qui c'est qu'il dit. Donc, capitaine dit Jonas, levez-nous, mon cher. La prière à Baya ou là, ou pas, je me connais, il y a de pitié pour nous, il y a pas de nous mourir. Donc, ce que marin, capitaine bateau, je pensais que Abaya Jonas a servi à capable d'aider. Il m'a dit Jonas pour Jonas la prière. Il veut cette là après ça. Marin yo dit l'autre. Marin yo yon dit l'autre. On dit au sort. On connaît qui moun qui la cause ça arrive non. Yo dit au sort. Et puis c'est non Jonas qui sorti. Donc, Marion, tu as cherché qu'on est. Il s'est passé. Non, qui est-ce que ça sorti? Qui est-ce un passage qui la cause que bateau a, eh bien, prêt pour couler ensemble avec eux? Et là où tu es au sort, il mettait tout nos mounions dans un petit papier, puis regardez, puis qu'est-ce qu'il fait, qui reçoit des autres ça? Eh bien, c'est nos Jonas qui sortit. Et puis, Mario dit Jonas, dis-nous ça qui la cause de mal à s'arriver, nous. Ça va faire ici. Ça va faire ici, là. Quand on sortit, mon qui paye, qui nationalité? Donc, Mario, commencez à poser Jonas question. Il y a pas de Jonas, c'est passé. Qui c'est que la cause malaise a arrivé sur nous? Soit fait ici, qu'on est sorti, qu'on est au monde. Dans qui peut sortir, comment on fait là? Pour la cause que nous dans la situation ça. Jonas répond, yo. Moi, c'est hébreu. Moi, je suis pour Abaya. Abaya qui fait ciel là. L'homme est à terre. Et pour confesser la situation. D'abord, M. répond, c'est hébreu. Or, dès que M. dit que c'est hébreu qui est tout le monde à l'époque, il connaît que dès qu'on dit hébreu, ça lui dit que c'est Peppa Baya. Il tout explique que il y a un craintif pour Abaya, il y a Peppa Baya, parce que Abaya, c'est celle-là, c'est mettre celle-là, c'est lui faire celle-là, terre, l'homme à toute bagaille. Et Jonas continue à expliquer pour dire que Jonas parlait à Dieu, il dit yo, qui j'en ai tapé couru pour CR. Mario te saisi pour un sale saisi. Il m'a sauvé comme ça, mon cher. Donc Jonas a expliqué yo, dans quelles circonstances il fait que le monte bateau. C'est parce qu'il peut Seigneur, il peut Abaya. Abaya voué quelque part, il sait bien, monsieur, tombé dans le cachet, il est tombé dans le marron. Je mets quoi le dehors? Il a ça. Mais tu as posé Jonas question. Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis en c'est pas possible. Et pendant qu'il a parlé, verset 11, la mer t'a vu une plus mauvaise chaque l'air. La mer t'a vu une plus chaque. La mer t'a monté plus fort. La mer t'a monté plus haut. Et Mario dit Jonas, ça pour nous faire à coup. Pour la mer cal. Donc, il posait Jonas une question très démocratique. Pour lui, on a choisi. Il a dit qui ça pour le faire avec elle. Et donné que c'est Jonas qui responde à la situation. Donc, solution, c'est Jonas qui va y aller. Et verset 12, Jonas va répondre. Jonas dit prends la gimme dans la mer. La mer va calnet. Moi, connaissez moi-même, qui la cause nous prend dans le vent, tempête ça. Donc, Jonas répond,
clairement et avec franchise pour dire pas un problème pour ramener la gueule la mer et la mer calmer. Parce que moi, c'est moi-même, c'est moi qui la cause, c'est moi qui responsable. Nous prenons 20 ans pour ça. C'est Abaya Cap Calib. C'est bon Dieu qui n'a ciel la Cap Calib. Et Mario même, verset 4-13, Mario même, tap nage les avirons, ouais, si vous avez amené le bâtiment, aller à terre. Mais vous n'êtes pas capable. L'homme est venu, puis vous avez fait effort. Vous avez fait effort. Vous avez fait effort. Vous avez fait à terre avec le bâtiment. Impossible. Négatif. Parce que l'homme est venu plus fort. À chaque fois. Il est où ça? Verset 14. Il relève dans le pied Seigneur. Seigneur. Il y a la prière comme ça. Oh Abaya. T'en prie. Pas quitter nous mourir pour être nom ça. Pas rendre nous responsables de un monde qui est innocent. Parce que c'est vous-même, Seigneur, qui veut comme ça. Donc, selon ce qu'on a regardé dans le texte, verset 14 là, c'est que Négio m'a retombé adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il m'a demandé à Abaya pour que Abaya ne pas quitter le monde pour être Jonas. Pour qu'Abaya ne pas rendre responsable de mort au monde qui est innocent dans l'histoire. Parce que c'est Abaya qui veut comme ça. Donc il a supplié Abaya. Pour qu'il soit capable de faire quelque chose, pour qu'il soit capable de dire ça pour vous faire. Et finalement, verset 15, il prend Jonas, il la gueule dans la mer, la même calme fait. Donc, de la sorte que, selon ça que nous lisons ensemble, c'est que Jonas, c'est monsieur qui a le problème. Là. C'est Jonas qui a mis le bateau dans la situation difficile. C'est Jonas qui était la cause. Abaya voyait gros bout de vent en fait ça. Et une fois que Jonas tombe dans la mer, eh bien, tempête là. Campé, et bateau qui a continué à faire bouger. Et verset 16, les marins ont ça. Ils deviennent paix si il y a un pile. Ils offrent bête. Pour tout le Bali, il promet, puis il s'est vlog. Ah bah, Abraham, il a dit Jacob là, il peut être Abraham marin. Mais là, vous me connaissez que Jonas, c'est sa vie d'Abraham, ça a lié. Et probablement, il devait entendre qui ça que Abraham ça fait déjà. Mais immédiatement, il est tombé pour Abraham directement. Il n'y a pas, il y a Dieu pas, yo. Il va prier Dieu pays, yo, ni Dieu ville côté qui est sorti, mais il prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis, il offre bête, il tue bête pour Abaya, et il promet qu'il a servi. Parce que il voit qui ça qui a fait, il était des témoins. Oculaire, yo a géo, ça a bien à faire. Il veut que la guerre, Jonas dans la mer. Et puis, tout va être calme. Et qui ça signe à faire, verset 17? C'est à faire un gros poisson, une vallée Jonas. Jonas est passé 3 jours, 3 nuits. Dans votre poisson. Donc, dans le récit, ça, dans 2 versets seulement, 2 versets, nous avons 2 éléments qui concernaient Yeshua Mashiach. Premier élément, c'est dans le verset 15 là, Jonas tombe dans la mer d'une cale. Et nous songeons que l'histoire de Yeshua Mashiach était avec disciples. L'abdomi, la mer
paniqué, monsieur disciple. Il réveille, il fait marcher, il dit, oh, deux peu de fois, ça m'est là. Et puis il dit, il me calme. Exactement ça qui dit Jonas, Jonas tape dormi. Il dit, il réveille Jonas. Et Jonas dit, pas un problème, mais c'est là que je me mets, puis il me met à bagaille. Il dit, là que Jonas, il me met à calme. Et c'est même Jonas ça, qui passait 3 jours dans votre poisson, que je suis marcher, qui va être comme miracle. À pharisien qui t'a posé la question, pour t'a fait mieux, puis dit, c'est ça, Jonas, c'était fait à passer 3 nuits et 3 jours dans votre poisson. Et bien, fils de l'homme, il a passé 3 jours et 3 nuits dans 20 terres et la troisième fois, il a ressuscité. Jonas, t'es sorti dans votre poisson 3 jours après. Mission était capable accompli et Abba également t'est passé 3 jours et 3 nuits dans votre terre pour l'accomplissement de sa mission. Alléluia, alléluia, alléluia. Yeah.